Ce palais ressemble beaucoup à celui de Versailles sur un plan symbolique. Il représente l'idée de la royauté, de la majesté, du pouvoir absolu. Celui qui l'a habité en premier, c'est Ferdinand de Bourbon, Ferdinand IV. Vous trouverez dans ce palais beaucoup de signes ostentatoires du pouvoir des Bourbons, une monarchie absolue qui a régné pendant plus d'un siècle sur ce royaume. Maintenant, venez, je vais vous faire visiter le palais. La directrice du château de Caserte est une passionnée du XVIIIe siècle. À ses côtés, nous allons plonger dans la vie de cour de cette époque où, vous allez voir, l'esprit, le goût français sont omniprésents. Quoi de plus normal ? Ferdinand IV est apparenté à Louis XIV. Et sa femme, Marie-Caroline, n'est autre que la sœur de Marie-Antoinette. Les souverains résident au premier niveau, l'étage noble. Voici l'escalier d'honneur, un décor monumental pour une mise en scène très raffinée. Imaginez-vous, à l'époque, lorsque le roi empruntait l'escalier d'honneur pour aller chez lui dans ses appartements, il entendait de la musique descendre des voûtes. L'orchestre se trouvait là-haut. La musique accompagnait les pas du souverain au fur et à mesure qu'il montait les marches. Les musiciens étaient cachés entre ces deux voûtes. Un bel effet de surprise pour les invités. Au centre de l'escalier, symbole de puissance, le roi assis sur un lion. En face de cet ensemble, parfaitement mis en scène, se trouve le vestibule. C'est le point central du palais. À ce moment précis, nous nous trouvons exactement au cœur du château, au centre de cette croix formée par les bâtiments. Ici s'ouvrent les entrées des appartements royaux et en face celles des appartements princiers. La caractéristique de cet endroit est qu'il ressemble à un temple antique avec ses colonnes, ses pilastres. Tout est en marbre, un marbre qui provenait des carrières royales. D'ailleurs, tous les matériaux utilisés pour la construction du palais proviennent de la région. Quant au dessin du dallage en marbre, c'est le même que celui de la voûte. Regardez-la bien, on dirait qu'elle tourne sur elle-même. Une décoration inspirée par l'Antiquité, cela s'appelle le néoclassicisme. À l'époque, c'est une nouveauté absolue. Ce mouvement est né ici, à Caserte. Nous entrons dans les salles du palais, gigantesques. 1200 pièces, des couloirs de plus de 200 mètres. Les salles, naturellement, sont l'appartement. Voici les appartements royaux. C'est là où le roi et la reine recevaient, où la cour se retrouvait et où se déroulait tout le cérémonial de cour. La pièce où nous allons entrer est celle où le roi se déshabillait et s'habillait. Au mur, vous pouvez voir ces tableaux illustrant les activités du souverain réalisées par le peintre officiel de la cour, notamment celui-ci. Il représente le roi à la chasse, une de ses grandes passions. La chasse au sanglier avec le roi Ferdinand, comme si vous y étiez. Au centre du tableau, le souverain. Une fine gâchette, selon les témoins de l'époque. Le roi aime ainsi se faire représenter sur les murs de son palais et montrer aux visiteurs ses faits d'armes. La caccia. La chasse faisait partie de son métier de roi. D'ailleurs, elle donnait lieu à tout un rituel. Le roi passait beaucoup de temps à chasser, par passion, mais aussi parce qu'il souffrait d'hypocondrie.
En plein air, il pouvait ainsi se relaxer en compagnie de ses hommes et de ses chiens. Le roi aimait beaucoup les chiens. Il possédait des élevages non seulement pour la chasse, mais aussi pour la sélection canine. Autre passe-temps favori, la revue des troupes et les manœuvres militaires. Des scènes représentées sur de multiples tableaux, sortes de photoreportages de l'époque. Nous sommes en 1770. La paix règne alors sur le royaume de Naples. Le roi aime venir à Caserte, lieu de villégiature, de délices. Voici la chambre des Bourbons. Et nous allons entrer maintenant dans les appartements de la reine Marie-Caroline. Je vais vous montrer quelque chose de tout à fait particulier. La salle de bain de la reine. Cette pièce a été imaginée pour rendre son séjour à Caserte le plus confortable possible. Le confort, c'est une notion nouvelle pour l'époque. La reine avait l'eau chaude, ce qui n'était pas le cas dans beaucoup de palais royaux à travers l'Europe. À côté, elle bénéficiait de l'eau froide, comme vous pouvez le voir sur cette inscription d'époque. Come si legge in queste scritte conservate dal Settecento sui suoi lavabi. Et en allant dans la seconde salle, toujours réservée à la reine, nous avons le bidet royal. Un bidet, ce n'était déjà pas très courant au 19e, alors pensez au 18e siècle. La reine utilisait aussi cette splendide baignoire en marbre de Carrara. Marie-Caroline a 16 ans lorsqu'elle épouse Ferdinand. C'est la fille de l'empereur d'Autriche. Elle a son caractère. Au fil des ans, tandis que son mari passe de plus en plus ses journées à la chasse, elle, dans ses appartements, consacre son temps aux affaires du royaume. Elle surveillait son mari. On disait qu'elle avait un régiment, presque une armée de servantes allemandes qui contrôlaient son courrier, sa correspondance privée et publique. Elle était jalouse ? Non, je ne crois pas. En réalité, Marie-Caroline était la fille de la grande Marie-Thérèse d'Autriche. Elle voulait peser fortement sur la politique du royaume. En fait, elle voulait à la fois régenter les affaires intimes, si tant est que l'on puisse avoir des relations intimes entre roi et reine, et gouverner le royaume. La reine ainsi décide de moderniser la flotte militaire. La voici dans la loge royale, à l'occasion de la mise à l'eau du premier bateau de guerre des Bourbons, armé de 74 canons. Marie-Caroline est de toutes les cérémonies officielles, mais elle sait apprécier d'autres ambiances moins martiales. Musique de chambre, ambiance intimiste, révérence devant le roi et la reine. Voilà l'atmosphère qui devait régner à la cour des Bourbons. Marie-Caroline, la viennoise, apprécie ses plaisirs. Les chroniqueurs de l'époque aiment souligner qu'elle danse particulièrement bien le menuet. L'étiquette est moins rigide qu'à Versailles. Le souverain aime banqueter autour de ses invités.
À l'époque, la France influence l'Europe entière. Aussi, à Caserte, la cour parle français, mange français. Les cuisiniers viennent même de l'Hexagone. Si mangiavano intanto cacciagione. La cour mangeait du gibier, mais aussi des vols au vent, et puis aussi les fameuses timbales de macaroni, beurre et fromage que les cuisiniers français réalisaient souvent pour le souverain et pour ses invités. Les banquets étaient fastueux, car évidemment, le roi voulait impressionner ses invités. Un palais monumental se devait d'avoir une cuisine à la hauteur. C'était le triomphe du goût et le triomphe de l'esthétisme culinaire. Je vais vous montrer maintenant le lieu où le roi et la reine s'amusaient. C'est une des merveilles de ce palais, le théâtre de cour. Regardez ce décor classique d'une grande beauté. Ici étaient données des pièces de théâtre, des concerts, des bals. Ce théâtre de cour avait une particularité que nous avons reconstituée. Le rideau pouvait se lever sur un décor naturel, le parc du Palais Royal, l'un des plus beaux d'Italie. ...120 hectares, mis en scène magistralement par l'architecte du palais, Luigi Vanvitelli. C'est en calèche qu'Anna Maria nous invite à découvrir ce parc. À ses côtés, l'une de ses collègues, une spécialiste des jardins. Attention les enfants, vous n'avez pas le droit de marcher sur la pelouse. Oui, ils vont abîmer les fleurs. Un parc imaginé comme un décor de théâtre. Avec ses arbres, ses statues, ses fontaines. Un parc conçu à l'image de Versailles comme le prolongement du Palais Royal. Au centre de la scène, cette perspective magistrale, longue de 3 km. Le roi veut donner de la grandeur et du prestige à cette toute jeune résidence royale. Alors il organise le parc en se servant d'un élément fondamental, l'eau. Le souverain veut montrer bien sûr que l'eau est source de vie, mais ce n'est pas tout. L'eau ici a une autre dimension, hautement symbolique. Elle représente le lien entre le souverain et ses sujets. Les sources sont à 40 km de là. Pour transporter l'eau, les ingénieurs rivalisent de prouesse. Ils construisent cet aqueduc, selon les techniques romaines. Un retour à l'Antiquité, là aussi fort en symbole. Les Bourbons rappellent ainsi leur attachement à cette terre au passé si prestigieux. Tout est fait pour émerveiller le visiteur. Par exemple, dans ce parc, il y avait une ménagerie qui accueillait des animaux exotiques. Cette ménagerie avait été installée ici, autour de ce bassin. Un bassin qui sert aussi au plaisir du roi. Il y organise des batailles navales. Au centre de l'île, la reine, elle, avait fait aménager une construction en paille et bois. À l'intérieur, nous savons qu'il y avait des tableaux. La reine venait se relaxer ici avec les dames de la cour. C'était un lieu d'un très grand raffinement. Le siècle est au libertinage. La cour de Caserte n'échappe pas à cette mode. Les amours de la reine sont nombreuses. Et le roi n'est pas en reste. À une extrémité du parc, Marie-Caroline va créer son jardin personnel. Elle fait venir d'Angleterre un jardinier et finance les travaux de sa caisse personnelle.
Marie-Caroline voulait un jardin à la mode, un jardin à l'image de ce qui se faisait dans toutes les grandes résidences royales de l'époque. Sa sœur, au même moment, faisait une chose similaire. Oui, oui, tout à fait. Marie-Antoinette, à Versailles, faisait aménager un jardin à l'anglaise. C'est-à-dire un jardin paysager où la nature est représentée sans artifice apparent. Les arbres ne sont plus plantés géométriquement. Tout paraît vrai. En réalité, même si le jardin paraît naturel, tout a été imaginé, conceptualisé et mis en scène. Ce jardin met en scène le triomphe de la nature sur l'homme. Une idée philosophique développée à l'époque par Jean-Jacques Rousseau et qui connaît alors un succès considérable en Europe. La nature est au centre de l'univers. Elle n'est plus modelée par la rationalité humaine. Ces jardins et ce château majestueux sont sortis de terre au milieu du XVIIIe siècle. À l'époque, Ferdinand n'est pas encore roi. En fait, il vient juste de naître. Le palais est l'œuvre de son père, Charles de Bourbon. Le voici en train de poser la première pierre aux côtés de sa femme. Charles de Bourbon n'est pas italien, mais espagnol. Une victoire sur les Autrichiens en 1734 lui permet de s'emparer du sud de l'Italie. Il va en faire son royaume. L'histoire des Bourbons de Naples commence. Le jeune souverain a 18 ans et de grandes idées. Il va marquer à tout jamais la ville de son empreinte. À peine arrivé, Charles s'installe au centre de la cité, dans ce palais. C'est ici que nous avons rendez-vous avec l'un des plus grands historiens de l'art italien, Cesare De Seta. Nous sommes dans la salle du trône du palais royal de Naples où a vécu Charles de Bourbon. C'est un homme ambitieux. Son père est le roi d'Espagne. Sa mère appartient à la grande famille des Farnèse. Il arrive au pouvoir à un moment crucial de l'histoire d'Italie. En montant sur le trône, il va faire de Naples sa capitale. La capitale d'un royaume qui est alors le plus grand d'Italie. Naples est alors une ville riche, prospère. C'est la troisième ville la plus peuplée d'Europe. Charles va œuvrer pour que la jeune monarchie soit reconnue à travers l'Europe et qu'elle soit autonome de Madrid. Charles veut l'indépendance de son royaume. Il va donc créer une dynastie, les Bourbons de Naples. Son éducation entre Madrid, la France et l'Autriche en fait un souverain très cosmopolite. Il parle italien, français, c'est le neveu de Louis XIV. Il parle aussi allemand, car il a épousé une princesse allemande, Marie-Amélie de Saxe, la fille du roi de Saxe et de Pologne. Et c'est un homme qui aime le beau. Le jeune souverain est fasciné par Naples. Difficile en effet de rester insensible au charme de cette ville, à l'exubérance de ses habitants. La même qu'aujourd'hui, si l'on en croit les textes de l'époque. Ici, dans le centre historique, tout ce que vous voyez existait au temps des Bourbons, sauf évidemment les scooters et les voitures. On peut facilement comprendre la densité de population qui existait à l'époque. ...400 000 habitants vivaient à Naples. Seuls Londres et Paris étaient plus peuplés. Mais la ville manque de grands équipements urbains, d'espaces publics.
Elle ne ressemble pas à une capitale. Le souverain va en changer le visage pour la rendre digne de son règne. Corps en carton-pâte, haut de 80 à 100 mètres. Ces décors pouvaient représenter des montagnes, des cascades. Potevano presentare cascate e al posto dell'acqua poteva esserci. Et à la place de l'eau, il y avait du vin, par exemple, ou encore du lait. Poi naturalmente. Et puis évidemment, sur la place, étaient disposées de grandes tables sur lesquelles il y avait de la nourriture pour tout le peuple. In modo da dare da mangiare alle popolazioni. Naples est une ville de fêtes et de musique. Accolé au Palais Royal, voici le théâtre San Carlo, bâti là encore sous le règne de Charles de Bourbon. Ce soir, on donne Idoménée, un opéra de Mozart. Nous rejoignons le directeur de l'opéra dans sa loge. À l'époque de Charles de Bourbon, la disposition du public était différente. L'orchestre était au niveau de la scène. La fosse n'existait pas. Il n'y avait pas non plus de fauteuil en bas. C'était là où se retrouvaient les militaires et les fonctionnaires. La société napolitaine, elle, était dans les loges. Les aristocrates en bas et les familles un peu moins en vue aux étages. L'atmosphère était aussi un peu différente, non? Oui, on mangeait pendant les spectacles. Ils duraient longtemps, souvent 5 heures. Il y avait de l'opéra bouffe et de l'opéra. Tout cela était entrecoupé de ballets. Au lever de rideau, le brouhaha ne s'interrompait pas comme aujourd'hui. L'opéra était considéré comme une fête. Seuls les grands airs faisaient taire le public. Est alors la capitale italienne de la musique. Et le théâtre San Carlo, le plus grand opéra au monde. Nous retrouvons le directeur. C'est la loge royale. Et questa è la le roi s'asseyait ici. Cette loge a une position avancée par rapport aux autres. Ainsi, de cet endroit, Charles pouvait être vu de tous. Voilà à quoi ressemblait ce lieu à l'époque. Le décor était or et bleu, les couleurs des Bourbons. On y donne aussi des bals. Les siècles ont passé, mais la forme du théâtre est restée similaire. Certains éléments du décor sont même toujours en place. Toutes les loges possèdent un miroir orienté vers la loge royale, et ce n'est pas par hasard. Au cours du spectacle, les sujets du roi pouvaient savoir ce que faisait le souverain. Alors quand le roi se levait, tout le monde se levait, et si le roi applaudissait, tout le monde applaudissait. L'atmosphère était à l'extrême déférence. Il suffit de se déplacer pour avoir une idée de ce qui se passait à l'époque. La ville est alors une étape incontournable du Grand Tour, ce voyage dans l'Europe des Lumières que
que tout jeune homme bien né se devait d'accomplir pour parfaire son éducation. Étape incontournable, le palais de Capodimonte. Cette résidence royale construite par Charles de Bourbon sur les hauteurs de Naples. Mais on peut dire que ce mouvement des Lumières voit le jour à Naples lorsque le roi décide de moderniser l'État. Charles veut sortir le royaume de l'immobilité sociale et économique. Ses réformes vont l'opposer d'abord au clergé, dont il va rogner le pouvoir, puis aux grands propriétaires terriens, après qu'il a mis un frein à leur puissance. Sa politique est soutenue par les intellectuels. Charles apparaît alors comme un despote éclairé, un souverain aux idées libérales. Bientôt, sa célébrité va devenir immense. Pour comprendre, il faut aller au pied du Vésuve, se munir d'une lampe torche et suivre Stefano De Caro, un archéologue. C'est aussi le conservateur en chef de la région. Franchis cette discrète porte, vous allez vous retrouver 2000 ans en arrière. Dans les entrailles de la terre. Nous sommes à 24 mètres sous terre et je vais vous montrer la plus grande découverte archéologique. Elle a été faite au temps de Charles de Bourbon. Stefano nous emmène sur les traces de ces hommes qui réalisèrent les premières grandes fouilles. Un moment capital de l'histoire de l'humanité. L'archéologie en tant que science est née ici dans ces galeries, pendant le règne de Charles de Bourbon. Et comment creusaient ces hommes ? Les ouvriers creusaient avec des pioches. Regardez les traces. Ils les ont laissées en 1740-1745. Cet endroit, recouvert par la lave du Vésuve, il y a près de 2000 ans, repose sous la ville moderne d'Herculanum. Si vous aviez suivi ce chemin dans l'Antiquité, voilà exactement où vous seriez arrivé. Dans le théâtre de la ville. Nous y sommes. Voici le théâtre d'Herculanum. Devant nous, il y avait l'orchestre. Ça, c'est le mur du proscenium, la scène du théâtre. Il faut imaginer que devant nous, il y avait les gradins où s'asseyaient les habitants d'Herculanum. Et là, c'était la scène ? Oui, c'était là où se trouvaient les planches sur lesquelles marchaient les acteurs.
Devant nous, ces parois étaient faites de grandes colonnades ornées de statues. En 1709, un paysan, en creusant un puits, est tombé sur l'une de ces statues. Quelques années plus tard, le roi ordonne que des fouilles soient entreprises. Le puits fut agrandi et de nouvelles statues vinrent à la lumière. La nouvelle s'étendit à l'Europe entière, le roi s'amouracha de ses vestiges, commence alors l'aventure d'Herculanum. Des dizaines d'hommes descendent par ce puits. L'endroit regorge d'œuvres d'art. Marbre, mosaïque, sculpture, emprisonnés dans la lave. Voici une des choses les plus intéressantes de ce théâtre, les plus curieuses du moins. C'est l'empreinte d'une tête de marbre qui a été enlevée à cette époque. La lave a épousé parfaitement le visage de la statue. Regardez, on voit les cheveux, les yeux, le nez, la bouche. C'est un témoignage saisissant. Les ouvriers, sous la direction d'un ingénieur du génie militaire, se mettent alors à creuser d'autres puits. Bientôt, le sous-sol d'Herculanum est truffé de tunnels. Un travail de titan. Dans le noir. Pour s'orienter, ils suivaient les murs, les colonnades. Leur but, c'était de déterrer un maximum d'objets précieux destinés aux collections du roi. Par exemple, au centre de cette paroi, au milieu de deux portes, ils cherchaient un tableau, une peinture qu'ils pouvaient facilement détacher. Là, au centre de ce portique, ils auront cherché la statue qui ornait la fontaine, et ici, le long de cette colonnade, les petites statues qui très souvent décoraient ce type de péristyle. C'était vraiment une chasse au trésor. Mais en même temps, ils mettaient en place une méthode de fouille. Au début, c'était plutôt empirique. Et puis, petit à petit, ils ont commencé à comprendre que s'ils trouvaient un espace comme celui-ci, il y aurait à l'intérieur des décorations précieuses, et ainsi ils creusaient directement au centre de la pièce pour chercher le tableau figuratif. Une chasse au trésor fructueuse. Pour la première fois au monde, l'on découvre des peintures antiques. Apparaissent aussi de somptueuses mosaïques. Les élites européennes se passionnent pour cet extraordinaire chantier. Jusqu'alors, l'Antiquité était essentiellement représentée par des monuments et des sculptures. Jamais une ville entière n'avait été fouillée. En 1763, une autre nouvelle bouleverse l'Europe. L'antique Pompéi vient d'être découverte. La fouille là se fait à ciel ouvert. La ville n'est enfouie que sous 8 mètres de cendres. À Herculanum, conséquence immédiate, le chantier s'arrête. Une chance, selon Stefano De Caro. Les fouilles souterraines endommageaient les maisons. Les galeries des Bourbons, vous pouvez toujours les voir dans un coin de la ville antique. Certaines ont été conservées. On voit bien les tunnels et le conduit d'aération. Une partie des galeries a été bouchée par les Bourbons. Les tranchées étaient comblées au fur et à mesure de l'avancée des travaux. En théorie, on pourrait creuser encore des tunnels jusqu'au théâtre et à la Villa des Papyrus. La Villa des Papyrus. Les Bourbons y ont découvert deux trésors. D'abord, une série de marbres uniques au monde, datant du 1er siècle avant Jésus-Christ.
Voici reconstituée la villa des papyrus. Et si les Bourbons lui ont donné ce nom, c'est qu'ils y ont trouvé une autre merveille, une collection de manuscrits exceptionnelle. Dans cette armoire en bois se trouve une partie des rouleaux de papyrus que nous conservons. Ces rouleaux n'ont pas été déroulés et de fait, ils ne sont pas lisibles. Vous pouvez nous faire voir ? Oui, dans ce tiroir, nous avons plusieurs rouleaux de différentes formes. Nous sommes à la bibliothèque de Naples, aux côtés d'Agnese Travaglione, qui a la lourde tâche de veiller sur ce trésor. Voilà la forme qu'avaient ces papyrus au moment où les Bourbons les ont déterrés. Ils avaient été carbonisés après l'éruption du Vésuve. Ces papyrus ne seront sans doute jamais déchiffrés. La lave les a trop endommagés. Heureusement, plus de la moitié d'entre eux a été récupérée par les Bourbons dans un meilleur état de conservation. Et depuis deux siècles, les chercheurs venus du monde entier déchiffrent ces manuscrits, rédigés en grec et en latin. Plus de 500 papyrus. Les plus anciens datent du 3e siècle avant Jésus-Christ. Ils contiennent notamment des œuvres d'Épicure, de Philodème. Ces papyrus sont vraiment exceptionnels. Oui, ils sont exceptionnels, car ils sont uniques. Grâce à eux, nous connaissons mieux la culture grecque antique. Sans leur mise au jour, nous n'aurions jamais connu l'œuvre de ces poètes. La découverte de ce trésor passionne Charles de Bourbon. Charles fait venir de la bibliothèque du Vatican le père Piaggio. Celui-ci réussit à fabriquer une machine pour dérouler les papyrus. Aussitôt, on commence à les étudier. Charles de Bourbon crée à cet effet l'office des papyrus qu'il installe dans son palais de Portici. Le palais de Portici, au pied du Vésuve, à deux pas d'Herculanum. Encore une autre demeure royale, construite par ce roi bâtisseur. Les voyageurs du Grand Tour viennent admirer ici les papyrus, mais surtout le musée des Antiquités, un musée d'une richesse inouïe, sans équivalent en Europe. On entrait par ici. La grille a été dessinée par le directeur de l'époque. La visite du musée commençait dans cette cour. Dans cet angle, il y avait un atrium. C'était une des nouveautés découvertes à Herculanum et Pompéi. Au centre, il y avait un cheval en bronze, très célèbre en raison de sa restauration. Les ouvriers avaient utilisé en fait les morceaux de quatre chevaux trouvés dans le théâtre d'Herculanum, en tout plus de 600 pièces qu'ils avaient assemblées pour en faire un seul cheval. Aujourd'hui, le palais est devenu une université. Il ne reste plus rien du musée, de ces 18 salles remplies d'objets de la vie quotidienne, de peintures, qui faisaient la gloire du roi à travers l'Europe. Ce musée à l'époque n'est pas ouvert au public. Seuls peuvent admirer le trésor personnel du roi, les aristocrates européens et les rares visiteurs à qui le roi concède l'autorisation d'entrer. Les fouilles d'Herculanum sont soumises aux mêmes règles. Lorsqu'ils arrivent ici, les voyageurs sont stupéfaits par la richesse et l'intérêt des objets, mais très vite, une grande frustration les gagne, car ils ne peuvent pas dessiner ce qu'ils voient. Le roi l'interdit. Souvent, même ces voyageurs ont avec eux leurs propres dessinateurs, car chacun d'eux a l'ambition d'écrire son voyage d'Italie. Ils voudraient dessiner les objets du musée, mais leur reproduction est un privilège royal. Le roi a d'ailleurs nommé à cet effet une académie, l'Académie d'Herculanum, qui a la charge de publier les recueils d'antiquités. Ces recueils, les voici. 8 volumes, que le roi offre uniquement aux souverains de son temps. Cadeau royal pour un but éminemment politique, renforcer le prestige de la dynastie. Ces volumes ont un impact considérable. L'Antiquité devient alors à la mode dans toute l'Europe. C'est le début du style néoclassique qui va influencer la peinture, l'architecture, la décoration intérieure. Si ces recueils sont aussi célèbres, c'est aussi en raison de ces gravures. Reproduction des fresques érotiques trouvées dans les fouilles. Oh,
Au début, cela n'a choqué personne. Les collections d'art en Europe renfermaient des objets, des gemmes et des marbres très explicites. Et puis surtout, les premières fresques que l'on mettait au jour avaient un caractère plus sentimental qu'érotique. C'était le siècle des libertins, le siècle de Casanova. Peu à peu, les choses ont commencé à devenir préoccupantes, car de terre sont sortis de plus en plus d'objets qui montraient une image de l'Antiquité complètement différente de celle à laquelle on s'attendait. N'oublions pas que, dans l'Antiquité, le sexe faisait partie de la vie quotidienne et ne faisait pas scandale. Le point crucial a été atteint quand a été déterrée de la villa des papyrus cette statue représentant le dieu Pan et la chèvre. C'était très embarrassant, une scène de sexe entre un animal et un homme. Quand les archéologues l'ont trouvée, ils l'ont apportée au roi et lui ont demandé ce qu'il fallait en faire. Le roi a ordonné au directeur du musée de mettre cette statue dans une caisse, de la fermer à double tour et de ne la montrer à personne. Même la reine ne put voir la statue. La famille royale aime venir à Portici, dans ce palais de villégiature entre mer et Vésuve. Plaisir de la chasse pour le roi, douceur de la campagne pour la reine. Bientôt, une mode est lancée, celle des villas au bord de la mer. Une route est tracée, le Miglia d'Oro. Il faut imaginer. Regardez la beauté du paysage, le golfe de Naples, la mer. Derrière moi, les montagnes et cette magnifique villa à l'extraordinaire façade. Nous sommes avec Paolo Romanello, le directeur de l'office des villas vésuviennes. Et dominant ce paysage, voici la présence inquiétante du Vésuve. Le volcan aujourd'hui est caché par les nuages, mais il semble nous rappeler par cet aspect orageux son danger. Et puis la vie dans ces villas était liée évidemment à ces deux éléments naturels antagonistes. D'un côté l'inquiétude et de l'autre la béatitude. C'était l'époque des grandes fêtes, des parties de cartes, des patrimoines qui passaient d'une main à l'autre. Vraiment une atmosphère impossible à revivre de nos jours. 122 villas sont érigées autour du palais royal. Aujourd'hui, la plupart sont abandonnées. Une seule a traversé le temps sans encombre, la Villa Giulia. Paolo Romanello connaît bien ses propriétaires. Voici le prince de San Nicandro, l'heureux propriétaire de cette villa. Comment allez-vous ? Vous avez vu cette belle journée qui s'annonce ? Eh oui, quel beau soleil ! La Villa Giulia est habitée par cette famille depuis 3 siècles. Une famille très liée à Charles et à Ferdinand de Bourbon. La maîtresse de maison nous a rejoints. Dans cette pièce se trouvent les portraits de la famille. Voici Giulia, la propriétaire de la villa. C'est elle qui a donné son nom à notre demeure. Autre personnage ayant marqué l'histoire de la famille, cet homme, qui fut ministre de la guerre et des finances de Charles de Bourbon. Mais celui qui est resté à la postérité, ce fut le précepteur du roi Ferdinand. C'était l'un des ancêtres de la famille. Sur cette illustration, vous voyez le roi Charles qui confie son fils Ferdinand aux bons soins de son premier ministre et du prince de San Nicandro. Le jeune Ferdinand a 8 ans lorsqu'il est accueilli dans cette maison. Ferdinand a fréquenté cette maison toute sa jeunesse. Rien n'a changé, ou presque. On a refait quelques pièces, mais le mobilier est resté le même. Par exemple, les divans étaient là, sous les Bourbons. Ferdinand s'est promené dans ses salons. Il a joué sur ce billard, qui est d'époque. Nous allons rentrer dans la salle d'armes, la salle d'escrime. On s'entraînait ici à combattre en duel. Sur ce parquet ? Oui, sur ce parquet. Quand le roi venait ici, enfant, il ne s'entraînait pas avec mon ancêtre. Il était trop vieux. Il combattait avec des jeunes de la villa. Et bien sûr, avec le maître d'armes. Et les armes ou
sont-elles? Les armes, elles sont remisées dans deux meubles, là, aux angles de la pièce. Ce sont des meubles d'époque, avec les fleurets. Malheureusement, il manque les masques qui ont été perdus. Mais avant, ils étaient là. On aurait pu en mettre de nouveau, mais on ne l'a pas fait, parce que ces masques n'auraient pas été authentiques. Tout rappelle ici le siècle des Bourbons, le 18e, celui de Ferdinand et de Charles, l'âge d'or pour la princesse et son mari. Nous sommes des Bourbons. Être Bourbon, cela signifie avoir appartenu à ces familles qui ont façonné au cours du XVIIIe siècle Naples et qui ont laissé à la postérité tant de monuments. Paolo Romanello pourrait en parler mieux que moi. Mais tout ce qu'il y a de plus beau, de plus artistique, tout ce que les touristes viennent visiter aujourd'hui, eh bien on le doit aux Bourbons. Bien sûr, un de mes ancêtres, le ministre qui s'occupait des finances de Charles de Bourbon, faisait payer des impôts aux Napolitains. Mais c'est avec cet argent que le château de Caserta, de Capodimonte, le musée archéologique et de nombreux palais à Naples ont pu être construits. Intarissable princesse. En nous quittant, elle nous a parlé d'un autre lieu marquant, à une trentaine de kilomètres de là. San Leuccio, au pied de ses collines. Ici, le roi crée une manufacture de soie qu'il fait bâtir au milieu de sa résidence. Plus qu'une simple fabrique, il organise ici une communauté humaniste. La règle fondamentale, l'égalité pour les 214 artisans venus de l'Europe entière. Et c'est lui, le monarque absolu, qui établit ce règlement aux principes utopiques. La morale et la raison en sont les moteurs. La communauté... Bon avait prévu d'agrandir la communauté jusqu'à bâtir une ville conçue sur ses principes égalitaires. Tout comme il devait élever autour de Caserte une cité royale à l'image de Versailles. Mais bientôt, les idées de la Révolution française gagnent le sud de l'Italie, mettant un terme à ses projets novateurs. Les Bourbons ont laissé à l'histoire de ce pays une culture profondément européenne. Ils ont accueilli ici non seulement les ouvriers de San Leuccio qui venaient de toute l'Europe, mais aussi les hommes de culture, de lettres, les peintres, les sculpteurs. Ces artistes ont échangé leur savoir avec ceux qui habitaient à Naples et ensemble, ils ont créé ce qu'il y a de mieux. Ils nous ont légué ce remarquable territoire riche d'une architecture et d'une humanité exceptionnelle. Thank you.